mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à l'émission Revenir de loin. C'est une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers des épreuves qui semblaient insurmontables. Et pour nous témoigner justement de leur situation, on reçoit Édith Trudel et Sylvain Brousseau de Pont-Rouge. Alors Sylvain et Édith, merci de témoigner pour nous justement de votre expérience. Sylvain, on parle d'un épisode, si on veut, d'aliénation parentale. C'est quoi exactement l'aliénation parentale? C'est une situation qui est complexe. Mais en fait, si on veut la résumer, en fait, c'est un parent qui va dénigrer, voire détruire l'autre parent dans les yeux de l'enfant. C'est souvent en cas de séparation, bien évidemment. Donc, c'est malheureusement la situation qu'on a vécue. OK. Raconte-nous, justement, quand est-ce que ça s'est passé, ça, puis à peu près le cœur. En fait, ça s'est passé il y a 6 ans. C'est une fille que j'avais eue avant qu'on soit ensemble. Okay. Et, juste pour que ce soit clair, vous êtes ensemble depuis 19 ans? 19 ans, oui. OK. Donc, et toi, tu as eu une fille, oui. En fait, avant votre couple. Exactement. Donc, j'avais 20 ans, j'ai eu un enfant. Ce n'était pas prévu, mais dans la vie, on prend ce que la vie nous amène et on fait avec. Et j'en suis très heureux et très, très fier. Dans le fond, Edith est embarquée dans ce projet de famille-là par la suite, alors que l'enfant allait avoir presque 3 ans. Et quand elle est arrivée vers 16 ans, donc il y a eu plusieurs situations au cours des différentes années, et vers l'âge de 16 ans, dans le fond, Audrey-Anne nous a annoncé qu'elle elle quittait et qu'on n'avait plus de contact avec elle, donc on ne la reverrait pas et qu'on ne saurait pas ce qu'il y en est. Mais avant, avant l'âge de 16 ans, oui. En fait, qui avait la garde? Comment ça fonctionnait entre vous deux? Là? En fait, au départ, dans le fond, la mère, suite à la naissance d'Audrey-Anne, après un mois et demi, dans le fond, elle a quitté avec l'enfant. Donc, je suis arrivé à l'appartement, elle était partie, pas de notes, pas rien. Il a fallu que j'aille en cours, donc il a fallu que je me batte en cours pour pouvoir avoir accès à ma fille. Il y a eu des évaluations psychosociales qui ont été faites. Et dès l'âge d'un an et demi, dans une évaluation, il était indiqué qu'il y avait une possibilité d'aliénation parentale si la situation restait telle quelle. Par la suite, j'ai eu la garde partagée. Edith était rendue avec moi à ce moment-là. OK, vous étiez en couple à ce moment-là. Oui, on était ensemble. On a eu, dans le fond, la garde partagée. Et quand Audrey-Anne devait rentrer à l'école, eh bien, à ce moment-là, il fallait choisir une maison ou l'autre parce qu'on n'habitait pas dans la même ville. Et il y a eu une nouvelle évaluation psychosociale. Et à ce moment-là, l'évaluation et la cour nous ont attribué la garde de l'enfant. À temps plein? À temps plein. Oui. Donc, elle allait chez sa mère la fin de semaine. Des droits très élargis, beaucoup plus qu'un parent qui n'est pas le parent après, non-gardien à ce moment-là. Okay. Donc, des droits très, 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 très élargis. Ça convenait, c'était très bien comme ça. Et la relation avec Audrey-Anne? Oui. Est-ce qu'elle était bonne, mettons, jusqu'à l'âge de 16 ans? Ah, elle était excellente. En fait, ça aurait été... Une complicité incroyable. Une super complicité. Et même avec Edith, ça aurait été... En fait, les gens ne pouvaient pas savoir que c'était pas sa fille biologique. Okay. C'était impossible de le savoir si on le mentionnait pas. Et de là, nous, on a eu un autre enfant aussi. Donc, on était rendu une cellule familiale de 4. En fait, on a eu la garde d'Audrey-Anne. De là, on a décidé d'avoir un autre enfant. On voulait d'abord régler cette situation-là. Okay. Donc, on a eu Marie-Soleil. C'est une étape qui était très, très, très importante pour nous d'obtenir la garde d'Audrey-Anne parce que Sylvain a toujours embrassé son rôle de père auprès d'Audrey-Anne depuis le début. Puis pour moi, c'était quelque chose d'évident et c'était pas négociable. C'était vraiment la première étape. Et même, on avait déjà. Si on n'obtenait pas la garde, on déménageait dans la ville où habitait la mère pour obtenir la garde partagée à ce moment-là. Donc, on avait vraiment... Le plan était fait. On a obtenu la garde à ce moment-là parce que notre situation était plus stable
que celle de la mère à ce moment-là. Donc, la mère ne doit pas être contente. Là. J'imagine qu'elle a réagi fortement. Très fortement. Et de la part de ses parents aussi. J'ai été agressé par son père. Donc, c'est à plus d'une reprise. Donc, ça a été compliqué. De là, s'est enchaînée justement une situation qui s'est développée de façon très, très insidieuse. Parce que dans le fond, l'aliénation parentale, c'est pas quelque chose qui se fait de front. Non, c'est ça. C'est quelque une programmation chose, c'est à long exactement, terme. Exactement. C'est beaucoup de non-dits, de « il ne faut pas que ça se sache, ça ne doit pas sortir ». C'est beaucoup, beaucoup de ces petits secrets. Donc, elle subissait ça régulièrement, en fait. Oui. Et est-ce qu'elle en parlait ou elle n'osait pas en parler, j'imagine? Elle n'en parlait pas ouvertement. On sentait des fois qu'il y avait des choses qui chicotaient, sauf qu'on a toujours protégé sa relation avec sa mère. Ouais. Ça, pour nous, ça a toujours été important. Okay. Donc, si maman te dit telle chose, c'est peut-être qu'elle... Elle voit les choses de cette façon-là. C'est ça. Chez maman, c'est chez maman, il y a des règles différentes de chez papa. Mm-hmm. Donc, ça. Puis il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord avec mon ex. Donc, moi aussi, indirectement, il y a des choses que j'ai dit. Donc, il y a toute l'interprétation aussi que l'enfant, à un moment donné, ça devient comme deux discours. Mm-hmm. Et c'est de démêler pour l'enfant. Et à ce moment-là, ce qui arrive, et là, je n'ai pas le mot, c'est un conflit de loyauté. OK. Donc, on parle à ce moment-là d'un conflit de loyauté. À qui je dois être loyal? Ben oui. L'enfant dans sa tête... Effectivement. Il peut pas se séparer. Si je vais avec un, l'autre, et ainsi de suite. Donc, je vais faire de la peine à l'autre ou je vais trahir l'autre. C'est vraiment ce qui devient problématique dans la tête de l'enfant quand il y a justement ce tiraillement-là d'aliénation parentale qui s'installe. Oui. Donc, et là... Durant tout ce temps-là, c'est sûr, vous vivez ça, puis dans le fond, vous ne réalisez pas ce qui s'en vient, là, jusqu'à pas temps qu'une une lettre, c'est une lettre qui est arrivée. En fait, elle partait, on était en été, oui. Elle partait pour ses vacances d'été avec sa mère, pour 3 semaines avec sa mère, et les colleux, puis on se revoit dans 3 semaines, puis... Je vous aime, bye-bye par la fenêtre de la voiture. Oh, oui, comme normal, je veux dire, tout à fait normal. Et en fait, à ce moment-là, elle avait 11 ans. On était entre la 5e et la 6e année. 3 jours après? Ah non, presque une semaine. En tout cas, quelques jours après, une lettre est arrivée. Et dans cette lettre-là, c'était de la main d'Audrey-Anne, mais datée. Et ça, c'est un je dirais pas un indice, mais un élément qui nous a accroché et on s'en est rendu compte parce que c'était essentiel. Elle était datée du mois de mai, de la date de la mère. De la fête de sa mère. Et nous, on la recevait seulement en juillet suivant, disant papa, tu dois signer les papiers et les conditions que maman va te donner, sinon tu ne me reverras plus jamais. Elle a 11 ans à ce moment-là. Au passage, maman m'a acheté des nouvelles lunettes, m'a fait couper les cheveux, m'a acheté un iPod. M'a changé physiquement aussi. Alors, tout ça combiné dans la même lettre. On reçoit ça dans une lettre. Le plancher s'enlève dans tous nos pieds, littéralement. On le dit souvent pour certaines situations, mais moi, c'est vraiment comme ça que c'est vraiment un choc qui arrive. Un choc. T'as écrasé à terre dans le salon. J'ai jamais vu cette lettre-là arriver. Je pouvais pas m'imaginer. Ouais. Et j'ai été à la pêche aux signes. J'ai été dans sa chambre. Il doit y avoir des signes, je veux dire. Des dessins, quelque chose qui dit qu'elle était malheureuse. On a parlé à ses amis proches qui restaient dans les maisons voisines. Elle a caché tout ça. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, de là, on est retourné en cours à ce moment-là. Et la cour a demandé une audience avec la juge, a demandé une audience avec Audrey-Anne seule. Ce que notre avocate nous a dit à ce moment-là, d'habitude, c'est une dizaine de minutes à peu près. Ça a duré. Au max 15-20, là, ça a duré une heure et demie. Quart et demi. Quand même. Et la cour nous a retourné Audrey-Anne en urgence et a ordonné une nouvelle évaluation psychosociale. Et a frappé d'un interdit de parler de la situation. Un huis clos. Tout simplement. Par rapport à ça. Donc, Audrey-Anne est revenue à la maison.
et on ne pouvait pas parler de la situation. Donc ça, ça a été, c'était difficile. Est-ce que c'est faisable? Oui, parce qu'on ça a été faisable. Ouais. Ça a été faisable jusqu'à... parce que ça a duré un an. Donc pendant un an, il y a eu ce huis clos. Ce silence, ce non-dit dans le coin de la pièce, ce tabou de vie. Et je le rajoute parce que je suis le seul, Edith ne l'a pas vu, mais pendant qu'on était en cours, la juge a... comment je pourrais dire? Je vais dire ramassé. Vous comprenez? Mon ex, parce que pendant que mon avocate expliquait la situation, elle riait. OK. Alors, ça, c'est... Il y a que moi, c'est écrit sûrement que... Il y a un procès-verbal à quelque part qui le mentionne, là, mais ça, c'est... Il y a eu des mots très, très durs envers madame, à quel point ce qu'elle faisait, c'était complètement inadmissible de rire comme ça de la situation. Parce que tu me l'as raconté à chaud ou avec ton avocate après. Elle était fière d'elle, j'imagine. C'est ce qu'on peut en déduire. Donc, on a fait une nouvelle évaluation psychosociale qui a été, à notre sens, biaisée et bâclée. On a payé pour une contre-expertise et l'expert a juste pris notre argent, a repris le même papier, c'est presque l'intégrale. Donc, ça nous a coûté plusieurs milliers de dollars et on s'entend à ce moment-là, on commence encore dans la vie, on n'est pas très financièrement, c'est des milliers de dollars en avocat, en ci, en ça. Donc, finalement, dans le fond, en fait, ce qui était une... c'est pas un combat quand on est deux, on reste parents, peu importe, même dans la séparation, mais ce qui était... Un parent, pas contre, mais envers l'autre parent, est devenu un parent envers son enfant. Parce que là, c'était, j'argumentais plus contre mon ex pour savoir où est le meilleur. C'était, là maintenant, tu dois argumenter contre ton enfant. Puis là, elle a quel âge? Elle a 12 ans. Parce qu'on est l'été d'après, oui. Elle a 12 ans. Il y a eu un premier psychologue qui a émis un premier rapport levant tout de suite un drapeau rouge. Et aussitôt que le drapeau rouge a été levé, Audrey-Anne et sa mère ont dit « On ne parle plus à ce psychologue-là. Ouais. » On a changé de psychologue encore une fois. Il y a eu... Bref, ça a été une année... Beaucoup de manipulation. Oui, une année très, très, très difficile pour finalement, en bout de ligne, se faire dire un an plus tard, « Ben, est rendue à 12 ans, elle s'en va vers 13, parce qu'on était au mois d'août, sa fête est au mois d'octobre. Ben, elle arrive vers 13 ans, donc on va faire ce qu'elle dit. C'est elle qui choisit. Alors, on a perdu la garde. On s'est ramassé avec des droits d'accès. On n'a même pas eu le droit au même traitement. Donc, on n'a pas eu le droit au droit d'accès que la mère avait. Nous, on n'a pas eu le droit à ça. Donc, Ça a été compliqué. Ça a été très, très, très compliqué. Donc, elle s'est en allée à Trois-Rivières pour commencer son secondaire. Et puis... Parce que sa mère vivait à Trois-Rivières. Oui, elle habitait à Trois-Rivières à ce moment-là. Et donc... Vous autres à Pont-Rouge. Oui, nous autres, on était à Pont-Rouge. Et donc, elle a fait son secondaire jusqu'en secondaire 4, où là, ben, on a ce que je disais, ce que je mentionnais au début, où on a reçu un texto disant, ben, je vais pas chez toi en fin de semaine. Je dois prendre soin de mes émotions. Et c'est la dernière communication que j'ai avec ma fille depuis... En texto. Ouais. Sur du cellulaire de sa mère. Du cellulaire de sa mère. Parce qu'elle n'en a pas à l'époque. Fait que, on suppose que c'est Audrey-Anne qui l'a écrit elle-même, mais voilà. Et on a été... Et ça fait 5 ans? 5 ans et demi. Oui, ça fait 5 ans au mois de mai, donc on est à peu près à 5 ans et demi. Donc on est à 5 ans et demi. On a été barrés de tous les réseaux sociaux. C'est complètement isolé par rapport à elle. Et même, il a fallu, parce que bon, quand elle a eu sa majorité, nous, on payait une pension. Donc, on a attendu qu'elle soit rendue à 19 ans. Rendue à 19 ans, ça faisait déjà 3 ans qu'on n'avait plus de contact. Donc, on a demandé pour faire cesser la pension alimentaire, mais pour signifier la demande d'arrêt de pension alimentaire, il a fallu engager un détective privé parce qu'on ne la trouvait plus. Donc, le détective l'a retrouvé. Nous, on n'a pas su parce qu'on n'a pas accès à ces informations-là, mais ils ont pu lui signifier.
Comment c'est ça? Si tu engages un détective... Pour protéger l'enfant et la mère. Nous, on n'a pas accès à l'adresse ou au quartier où ils habitent. Ils nous ont dit, elle est encore dans la région de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est quand même grand, on va se le dire. Okay. Et ils ont signifié la lettre. Et la pension, c'est... Et la mère et Audrey-Anne ont accepté de ne plus recevoir de pension alimentaire parce qu'on était prêts à la continuer si on avait des suivis sur ses notes scolaires, son programme, où elle était. Ouais. Et ils ont préféré ne pas nous donner ces informations-là et arrêter la pension alimentaire. Encore là, c'est toujours une partie d'information. Tu dois pas savoir. Donc, on est encore dans cette dynamique-là. Est-ce que vous avez demandé de l'aide, vous deux, pour essayer de passer à travers ça ou en parler à d'autres ou, se confier? Qu'est-ce qu'on fait, justement? Le premier réflexe était de se refermer sur nous-mêmes de se couper de tout le monde, complètement. Ouais. On est très bien entourés, on a des bons amis, des bonnes familles qui ont été là pour nous. Ouais. Mais le premier réflexe a été vraiment de s'enfermer puis de dire, OK, on va vivre ça juste nous puis on ne veut pas en parler à personne. C'était le premier. Et votre enfant, l'autre fille, elle a quel âge, là? Elle est à 15 ans maintenant. Elle est à 15 ans. Elle ne veut pas, elle a vécu, elle aussi, oui, ça. Oui, bien, ils sont rentrés. Elle rentrait à la maternelle, comme Audrey-Anne est en 6e année. Ils ont 7 ans de différence. OK. Est-ce que la communication était bonne avec les gens? Des inséparables. Et alors, ça aussi, c'est un deuil pour elle. Ça a été aussi de gérer la peine et le changement de situation auprès de Marcelle, qui à l'époque avait 5-6 ans, là, quand sa sœur a déménagé chez sa mère pour la première fois. Et quand elle nous a complètement quittés, elle a été rendue à 9-10 ans. Oui. Okay. Donc, il y a eu... puis ça, je me permets de le dire, parce que c'est Marcelle qui l'a dit elle-même. Quand Marcelle est rentrée dans son adolescence, quand elle est rentrée au secondaire, ces choses-là, elle aurait aimé avoir sa grande sœur pour... La conseiller, l'aider, ne serait-ce que discuter de cette relation-là. Donc, c'est un élément qui pourrait... Mais les filles avaient une super de belle relation. Le matin, Marcelle se levait, elle allait la rejoindre Audrey-Anne dans sa chambre, puis ils s'allongeaient dans l'épicerie, ils faisaient une revue ensemble, ils passaient beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Malgré l'écart d'âge. Oui, vraiment. Comment vous... Là, ça fait 6 ans... Un gros cinq. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous vivez encore dans l'espoir? Ou comment on réussit à prendre un recul pour pouvoir fonctionner quand même, là, malgré tout? Là? En fait, c'est comme un deuil, j'imagine. C'est ce que j'allais dire. Okay. C'est de faire le deuil d'un enfant vivant. C'est littéralement ça. C'est la meilleure façon qu'on a trouvé pour l'expliquer aux gens, c'est ça. Il a fallu faire le deuil. On a passé par les étapes du deuil. La colère, la confrontation, la négociation. On les a tous vécus. Certains ont été plus longs, plus difficiles que d'autres. On est revenu en arrière des fois. Donc, ça a été compliqué de ce côté-là. Mais on a su avancer. Aujourd'hui, il y a encore des moments qui sont difficiles, ben oui. Puis il y en aura toujours. Les fêtes. Hein? Son anniversaire, la section de la fête de l'anniversaire de sa mère, parce que pour nous, c'est associé. Ouais. Les deux départs sont associés à cette date-là. Ouais, ouais, ouais. Le temps des fêtes, toujours un petit peu. Mais comme quelqu'un qui vit un deuil d'un être cher qui est décédé, c'est exactement la même chose. Il y a des dates, des moments, c'est ça, qui viennent nous chercher. Maintenant, là, avec les années... Il y a plus de bonnes journées qu'il y a de moins bonnes. Oui. Maintenant, elle est moins envahissante dans notre tête un petit peu. Oui, bien, c'est ça. On est capable de prendre un recul quand même. Mais j'imagine que vous vivez toujours dans l'espoir qu'à un moment donné, la vie, je ne sais pas, autre réalité se manifeste. Là, La porte va toujours être ouverte. C'est ça. On n'a pas déménagé. Ça serait de dire qu'il n'y a pas d'espoir. Non, c'est ça. Est-ce qu'il est aussi présent qu'au départ? Oui. Moins. Il est atténué. Moins d'attente, en fait. Il n'y a pas d'attente, mais il y a de l'espoir. Mais l'espoir sera toujours là. Parce que vous savez qu'elle est vivante, au moins. Oui, c'est ça. C'est ça l'important. Oui. Et puis, comme tu allais dire, parce que excuse-moi, je t'ai coupé, mais la porte sera toujours ouverte. C'est loin et moi, on n'est pas des gens qui aiment déménager trois fois par année ou à toutes les deux ans. Là, on a la même maison depuis 15 ans, puis ça fait 19 ans qu'on est ensemble. On était dans le même appartement depuis 4 ans. Fait que elle sait où on est.
Si un jour elle décide de revenir, ben on sera là. On aura besoin d'une discussion, assurément. Il va falloir revenir sur ces choses-là. Il y a des choses qui doivent se dire, qui doivent être des constats qui doivent être faits, des discussions qui doivent avoir lieu, mais la porte sera toujours ouverte. En fait, c'est beaucoup la question, puis moi, c'est quelque chose qui me trotte souvent en tête, c'est qui je vais retrouver? Ben, c'est sûr. Elle sera toujours ma fille, je vais toujours l'aimer, peu importe, ça c'est sûr et certain. Ben, un peu comme une mère qui est obligée de se débarrasser de son enfant jeune, puis l'enfant veut revoir ses parents, à un moment donné. Mais c'est ça. Mais c'est de savoir qui est là, ben là, c'est ça. C'est d'avoir des discussions, parce que on lui a réouvert la porte, malgré les situations, on a tenté de faire comme si de rien n'était. Là, la situation, elle est grosse, donc c'est sûr qu'il y a une discussion qui doit avoir lieu. Évidemment. Elle est adulte maintenant, en plus. Ouais. Donc là, la relation aussi serait différente. Ouais. Mais la porte, elle est ouverte. Ça, c'est sûr. Ouais. À partir de là, aujourd'hui, là, comment vous vivez ça? Ou quelles leçons, en fait, on tire de ça? Là, t'sais? Parce que vous n'êtes pas les seuls qui vivez ça. L'aliénation parentale existe beaucoup. Y a-t-il une leçon qu'on peut tirer, ou comment, quel conseil on pourrait donner, vous pourriez donner aux gens justement si qui... Si je peux me permettre, c'est quelque chose qu'on a répété beaucoup dans les dernières années. L'honnêteté, la transparence, pour nous, c'est des valeurs qui sont fondamentales et qui sont dans indélogeable, mais d'être capable de se regarder dans le miroir le matin, tous les deux, et de se dire, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait pour sauver ça, pour éviter ça et pour, selon nous, dans le meilleur intérêt... De l'enfant. J'allais dire de notre fille, là. Ben, en fait, c'est ça, c'est dans la fille de Sylvain, mais je l'ai toujours considérée comme ma fille et encore aujourd'hui. Dans son intérêt, on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qui était en mesure. On a investi ce qu'il fallait, on a donné le temps qu'il fallait, on a fait les sacrifices qu'il fallait, et on est tous les deux très fiers de se regarder dans le miroir à chaque matin et de se dire, je ne pouvais pas faire plus. Parce qu'il y a une partie où, dans toute cette épreuve-là, on se remet en question et on se dit, où je l'ai échappé? Où j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Complètement. Quel signe j'ai pas vu? Quelle parole, quelle phrase j'ai dit qui a fait qu'elle a changé d'idée, qu'il y a eu un déclic? Et ça fait des nuits blanches. Ça, c'est épouvantable. Mais aujourd'hui, avec le recul, on est capable de se dire non, on n'a rien échappé. Ouais. On a été au bout de ce qu'on pouvait, on a été qui on était, de façon transparente, honnête, et on se regarde dans le miroir et on est fiers de le faire. Puis on n'est pas parfait. Non, pas du tout. Mais on l'assume qu'on n'est pas parfait. Est-ce que vous avez atteint la haine? Jamais envers Audrey-Anne. OK. Je vais le dire comme ça. C'est la meilleure façon de le dire. J'aime la façon. Parce que, que notre fille, on l'aime. Oui, il y a eu de la colère. On l'a dit, on a passé par les élèves. La haine, tu sais, des fois, c'est pire. C'est comme mais jamais envers Audrey-Anne. Non. Je ne peux pas dire que j'ai jamais eu de haine envers sa mère ou envers ses grands-parents qui ont été très, très, très impliqués, très présents. Parce qu'il faut vivre avec ça. Quand tu es pris avec ces sentiments-là, c'est pas évident, là. Non, mais c'est... puis, on parle un peu de conseils. C'est difficile d'en donner un, parce que chaque situation est particulière, mais notre objectif, surtout là, d'en parler, en fait, c'est... On veut sensibiliser, puis dire que oui, ça existe, puis c'est vraiment un peu plus ça. Chacun va le vivre d'une façon différente. Il y a de l'aide qui est là pour justement passer au travers de cette situation. Elle est difficile à trouver. Elle est difficile à concilier, je veux dire. Je me permets de dire qu'elle est très difficile à trouver pour un papa. Pour un homme. Pour un homme. Oui. C'est beaucoup plus difficile que pour une femme. Ironiquement, je n'étais pas la mère, je ne suis pas la mère d'Audrey-Anne, mais pour moi, ça aurait été beaucoup plus facile de trouver de l'aide. Il y a des groupes de nouvelles conjointes. Et les groupes qui s'occupent des hommes, des papas, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et leur voix n'est pas portée par les médias, par les grands médias d'aujourd'hui. C'est souvent, ironiquement, les groupes de nouvelles conjointes général, qui réussissent à faire porter leur voix. Plus que les hommes? Non. Pourtant, non.
parce que dans l'aliénation parentale, non, non. Statistiques, c'est souvent les femmes qui aliénient les parents, les papas. Le père, ouais. Mais les groupes pour soutenir les hommes ou les même les professionnels là-dedans, c'est beaucoup plus difficile pour un homme que pour une femme. Donc ça, c'est... Mais c'est ça, ça serait un peu ça, il faut... oui, comme nous, c'est ça, on s'est refermé, mais on était nous deux. Je n'ose pas imaginer quelqu'un qui est seul. Qui est seul. Là, au moins, on... On avait aussi Mère Soleil, où on s'est dit un jour, il faut avancer pour elle. Ouais. Elle mérite d'avoir ses deux parents. C'est une grosse motivation, ça. Ben, c'est aidant. Quand on a les deux genoux à terre, mais c'est ça, on regarde ça et on se dit non. Il y a un autre enfant qui compte sur nous. Elle a envie de faire des activités la fin de semaine. Ben elle a envie de... On se relève, puis on continue à avancer avec une charge sur les épaules, mais on continue quand même à ce moment-là. Ouais. Mais, tu parlais tantôt, justement, là, ben, tu décrivais Sylvain, quand tu as reçu la lettre, t'as craqué. Complètement. Ce qui est tout à fait normal. Là. Mais est-ce que là, tu avais besoin d'aide? Est-ce que tu as réussi à avoir de l'aide pour revenir? Je vais en parler très, très ouvertement. Je suis un ancien infirmier. J'étais infirmier pendant 11 ans. Et malheureusement, je ne dis pas dans tous les cas, mais souvent, la dépression est stigmatisée dans les dossiers. Okay. C'est-à-dire ça que s'est amélioré j'ai... avec les années. Énormément. Dans les dernières années, la santé mentale est devenue un peu plus... Est devenue un sujet... moins tabou. Mais on remonte début des années 2000. J'ai commencé à ce moment-là et je me suis occupé beaucoup de personnes âgées. Et j'avais souvent dans les dossiers de gens qui avaient 85, 86 ans, dépression à 29 ans. C'était le premier diagnostic que j'avais. Aucun lien avec la situation actuelle. C'est plate, mais je voulais pas avoir ce stigmate-là. Ouais. Et c'est peut-être pas j'ai peut-être pas utilisé la meilleure des voies, mais dans ma tête, c'était ça. Donc, j'ai mis les deux genoux à terre. J'ai travaillé fort. Edith. Tu avais une bonne conjointe pour te soutenir. Mais c'était pas évident pour elle non plus de vivre cette situation-là, même si c'était pas sa fille biologique, c'était notre cellule familiale. Ouais. Et donc, j'ai fait le choix de tenter de me relever seul. OK. Je le conseille pas. Non, c'est ça. Mais je l'ai fait. J'ai réussi. Ça a été long, ça a été ardu. Mais quand on parle de long, ça prend quelques années? On parle d'un 2 ans. 2 ans, on parle d'un 2 ans. Avant de redevenir quelque chose de fonctionnel. Ouais. Autant que ça. Mais c'est en fait, ce qui est difficile, c'est que dans ce temps-là, on essaie de cacher aux gens. Ouais. Donc, on prend toute notre énergie pour cacher notre situation aux gens, parce qu'à un moment donné, comme on disait dans les étapes du deuil, t'as plus le goût d'en parler. Non, c'est là, aujourd'hui, je suis à l'aise d'en parler, il n'y a pas de problème. Oui, vous êtes bon, c'est bien. À ce moment-là, on remonte, quand ça faisait 6 mois que c'était arrivé, à part pleurer, je faisais pas grand-chose. Mais là, j'ai comme... donc, c'est ça. Mais c'est la voie que j'ai décidé de prendre. Ouais. J'étais bien entouré. Ça m'a aidé. J'ai toujours dit, pas à la blague, je le pense vraiment, si on me racontait mon histoire au complet, parce que l'on synthétise, exactement, j'y croirais pas. Vous êtes positif pour l'avenir? Oui. Ah, tout à fait. Puis, complètement. La vie est belle, là? Oui. La vie est très belle pour nous actuellement. Elle le sera pour la suite, assurément. On fait notre bonheur aussi, comme on dit. Effectivement. C'est ça, le bonheur de le faire soi-même au bout du compte. Alors, Edith Trudel et Sylvain Brousseau, merci infiniment de ce beau témoignage. Ça fait plaisir. Alors voilà, ça complète l'émission pour aujourd'hui. Revenir de loin, comme on disait. Alors, ici Michel Beausoleil, bonne semaine. Merci d'être là.